Bonjour chers abonnés. Cela fait, je crois, 2 ou 3 jours. Hein. Bon, aujourd'hui on va pas trop durer, je vais pas vous entretenir longtemps. C'est juste pour revenir sur le buzz actuel qui fait bouger le milieu du showbiz ivoirien. Ah ouais. Ce buzz là. Depuis le coupé décalé est créé là, il est parlé comme un Ivoirien. Depuis le coupé décalé a été créé là, on n'a jamais vu un buzz aussi intéressant. Vous savez, il y a certains abonnés qui ne m'ont pas compris dernièrement dans ma dernière vidéo. Et je pense que je dois apporter quelques petits points d'éclaircissement. Sinon même, parler de ce qui se passe actuellement. Vous voyez dans la précédente vidéo, j'ai juste fait état de ce qui se passait. Mais il y a des abonnés qui ont pensé que j'avais un parti pris, que j'étais fan d'Arafat, j'étais fan d'Ariel. Je ne sais plus, mais il faudrait que vous sachiez que je suis fan de la musique ivoirienne. Je n'ai pas de parti pris. Voilà, je n'ai pas de parti pris et je dis ce que je vois, je ne dis pas ce que je ne vois pas. Voilà, soyons clairs sur ce point-là. Si c'est clair, voilà, je peux continuer sur ce pourquoi je suis avec vous ce matin. Ah, Ariel Chené a vraiment tout cassé. C'était du genre, j'ai fait sortir le truc, le gars m'a porté un coup de poignard. Pensant que j'étais mort, il m'a laissé agoniser. Et là, je reviens avec l'épée et je lui tranche la gorge. Ah, Ariel Chené. Il a frappé fort. 1 million de vues en 3 jours. Avec Amina. C'est du jamais vu dans le coupé décalé. Hein? Et même, je dirais, dans la musique ivoirienne. Oui, pas seulement dans le coupé décalé. Mais l'élève est en train de dépasser le maître. Et ça, je vous assure, ça donne des sueurs froides à celui que vous connaissez. Et c'est pas tout. 1 million de vues en 3 jours. 3 millions de vues en seulement 2 semaines. Tandis que l'équilé, je crois, en 2 mois ou bien 3 mois, là, a fait à peine 1 million de vues hier ou avant-hier. Ah, je pense que Ariel Chené a franchi un nouveau cap. Et cela est à respecter. En tout cas, il a pris un peu de la Eurogang. Il a pris un peu de Sony Music et il a pris un peu de sa propre personne. Et là, le résultat que ça donne là, c'est pas du tout beau à voir. C'est pas du tout beau à voir. Et je pense qu'Arafat gagnerait. Vous savez, de mon point de vue, je pense qu'Arafat gagnerait à rester calme. Ils ne sont pas de la même génération. Bien vrai qu'actuellement, le petit mousse. Ils ne sont pas de la même génération. Il faudrait qu'il reste calme et se concentre sur son album. Il y a des sons encore à clipper. Il y a des spectacles à faire. Voilà. Actuellement, le petit plane. Voilà. C'est son heure de gloire. Et on doit vraiment respecter cela. On doit vraiment respecter cela parce que Ariel Chené a frappé fort avec Jolie Amina et Jolie Amina. Bam, bam. Plagiat ou pas? Actuellement, le petit fait 3 millions de vues en 2 semaines. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis, c'est du jamais vu. Et ça, Arafat le sait. Serge Bino le sait. Bibi Philippe le sait. Mais comme Arafat, c'est quelqu'un bon, d'un ego démesuré, il ne peut pas se taire, il ne peut pas se taire. Il est obligé de parler. Et plus il va parler, il donne de la cote au petit. Plus il va parler d'Amina. Il booste le clip de l'enfant sans le savoir.
Arafat, ressaisis-toi, s'il te plaît. Chené, continue sur cette voie-là. Je pense que tu es dans une bonne maison de production et je pense que toi, ton disque d'or n'est pas loin. Si tu continues sur cette lancée, ton disque d'or n'est pas loin. Tu es le porte-flambeau de la nouvelle génération. À l'extérieur. Sinon, à l'intérieur ici, il y a quelqu'un que tu connais très bien et qui arrive bientôt avec le clip de Sauter, Sauter. Sur ce, cher abonné, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris votre temps. Et comme je l'ai dit, je le redis, ne pensez pas que j'ai un parti pris. Non, non, ne pensez pas cela. Loin même de là. Je fais juste ce qu'il y a à faire et j'essaie d'apporter mon grain de sel. J'essaie de critiquer selon ma compréhension, selon mon point de vue. Voilà, je n'ai pas de parti pris. Je suis pour la musique ivoirienne. Je suis pour l'avancement de la musique ivoirienne. Voilà. Sur ce, merci, cher abonné, de m'avoir. Et n'oubliez pas, pardonnez, mettez le pouce bleu là. Même si vous n'avez pas aimé aussi, mettez. Voilà. Et puis abonnez-vous.